Coucou tout le monde! Comment coudre un masque de nuit? Mais attention, pas n'importe lequel. Un masque de nuit réglable. Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre un masque de nuit réglable. Je vous ai préparé deux modèles, avec ou sans insert. Donc à partir de ces deux modèles, vous allez pouvoir faire trois voire quatre variantes si vous mixez les fronces et les passepoils. Tout d'abord, je vous explique comment coudre le modèle simple qui sera en fait la base pour tous les autres modèles. Donc grâce à ce modèle, vous allez pouvoir varier en fait tous les styles. Donc dans ce tutoriel, je vous explique comment faire les fronces, mais aussi comment faire un masque avec le passepoil. Il y aura aussi les explications aussi pour faire l'insert. Et à la fin de la vidéo, je vous ai mis un petit bonus pour fabriquer vos propres masques en gel. Pour par exemple les yeux fatigués ou cernés, c'est top en fait pour les matins après les fêtes. Donc pour réaliser ces masques, j'ai utilisé des chutes de tissu que j'avais conservées quand je fabriquais des masques pendant le Covid. Mais pour le visage, je vous conseille de prendre un tissu doux. Ici, moi, j'ai utilisé un occultant qui bloque la lumière, car je ne supporte pas les petites lumières de la nuit. Mais en fait, ce tissu, il est un petit peu satiné, donc il est très doux. Après, si vous n'avez pas de sensibilité au niveau de la peau, si vous n'avez pas d'allergie, vous pouvez utiliser du molleton. Mais attention, si vous avez vite chaud, je vous déconseille de mettre du molletonné, quoi. Je sors des vidéos pratiquement toutes les semaines, voire même deux fois par semaine. Donc qui dit vidéo dit patron. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche pour justement ne louper aucune vidéo. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et aussi pour me remercier. Et pourquoi pas un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tuto. Ça fait toujours plaisir et franchement j'adore lire vos impressions. C'est super motivant et gratifiant. Alors, je vous montre comment on coud ces masques de nuit. A tout de suite, après ça.
Thank you.
Thank you.